Hare Krishna. Toujours dans Krishna Balaram Mandir, bon accueil. Nous avons un grand plaisir pour accueillir les autres dans la cuisine Manzon Veg. Et aujourd'hui, nous, l'équipe Manzon Veg, qui peut présenter aujourd'hui, un sauté légumes avec teukon. Teukon, c'est quoi? C'est un qui nous dit tofu. Et nous ne prenons pas beaucoup de légumes, nous avons juste trois légumes là-dedans. Nous prenons carottes même, poivron rouge et haricots. Là, sans tarder, nous pour commencer, nous commençons avec nos teukon. Nous gagnons nos teukon, nous coupons les minces. Voilà. Et puis, nous faisons en long, petit baguette, comme ça. Et il y a une affaire bien facile pour faire. Mais que petit jelly, pour en autre. Là, nous finissons coupe nos teukon, nous allons nous duffer. Nous mettons un petit récipient, un petit caraïs ou un petit poêlon. Nous mettons de l'huile là-dedans. Un petit peu de l'huile dans ce fond. Nous attendons de l'huile chauffer. Nous prenons nos teukon en petit baguette, comme ça. Là, nous prenons les, nous passons les dans de l'huile. Nous sautons un petit dans de l'huile, ou des fruits un petit. Juste, tu as de l'huile, je ne peux pas mettre rien là-dedans, ni du poivre, ni du sel, non, rien. En attendant, il peut frire toujours là-bas. Regarde comment nous avons nos haricots. On finit de nettoyer, laver tout. Et les légumes, bien sûr, nous laver, après nous couper, les plis bon. Arrête, nous coupons les. Regarde ce longueur, comment nous peut couper. Un 2 pouces, 3 pouces longueur, comme ça, les haricots là. 2 pouces et demi, 3 pouces. Voilà. Couplis en dé, en dé. Pas couplis trop mince aussi, en dé, en dé. Bien facile. Toujours nous un petit coup d'œil dans ça, nous pas quitter les comme ça même. Right? Nous viens lien chicken. Right? N'imparé. Nous t'aimons nous différer, nous tiens nous garder dans un petit bol. Nous réserve les à côté. T'allais nous servir. Voilà. Nous les 5 carailles, nous pas nécessaire sans carailles, nous les 5 carailles, nous t'indiquons, t'allais nous continuer la restante. Là, je trouvais, nous finis fouiller sur Teukon, nous réservons, nous gardons, nous continuons avec nos légumes maintenant, nous continuons à couper nos légumes. Voilà, nos carottes, nous finis plisser, nous coupons les minces minces. Facile pour couper ça. Coupe les minces, petit baguette même. Et tout le temps, sa carotte là, il n'y a pas besoin de dominer sa haricot là. Il y a besoin un petit peu plus moins que sa haricot là. Et là, nous avons une quantité, il y a un petit peu plus moins que sa haricot là. À ce temps, nous coupons nous, poivron rouge. Ça aussi pareil. Voilà, nous finissons coupe nos carottes là. Ensuite, nos poivrons. Là, nous coupons les minces, minces. Voilà, nous gagnons une petite quantité. Je n'ai pas dominé. Et ça aussi, carottes avec poivron rouge. Poivron rouge, il a besoin plus moins que carottes. Carottes, il a besoin plus moins que haricots. Et bien sûr, ça. Teukon aussi, les visins zissent là-dedans, les balancent, ils ne dominent personne. Personne ne domine ce camarade. Right. Là, nous mettons nos carailles chauffées. Ça même carailles qui nous fouillent Teukon, il n'y a pas de problème dans la cuisine. Nous sommes capables de servir ça même. Carailles peuvent chauffer. Right. Nous mettons nos chilani. Nous laissons nos chilani aussi. Nous mettons du thym. Gingembre. Et c'est aussi. Et puis nous mettons hing. Nous mettons nos haricots avec nos carottes ensemble. Tous les deux des légumes durs, ça, des autres couilles, un chicken ensemble.
nous mettre du poivre. Là, nous continuons tourne. Et donc, vous trouvez, mon papa mettre de l'eau. Et taler, si besoin pour mettre de l'eau, là, nous mettons de l'eau. De l'eau, là, comment vous mettez? Si nous vous mettez taler, je vais vous expliquer comment nous vous mettez. Nous laissons 3-4 minutes, nous venons guetter quand il arrive encore. Esther, nous mettons ça poivron rouge là. Et nous mettons poivron rouge. Nous mettons un petit peu safran. Et safran, il est bien, bien important pour manger. Safran, quand on fait mon manger, excès, il n'y a pas de problème. Ça mange safran tant que capable. Et surtout, pour une personne qui est asthme, dans tout manger, mettre safran. Alors, j'ai tout trouvé, je mets ça là-dedans. Là, je prends un petit guin de l'eau, t'as l'air là, moi tu peux dire. Un petit guin de l'eau dans la main, juste nous. Ça salaire qu'il est pour l'orgue là, ça va faire là. Il y a assez pour les tuiles, ça haricots là, avec ça. Carotte là, puis ça poivron là. Et ben manger colorful comme ça, colorful, on va dire, ben manger couleur, vert, orange, tout ça là, c'est bien important dans nous les cours. Sa couleur, il a son importance. Et un légume, pas besoin nécessaire, besoin qu'il est mort net, surtout comme les haricots, carottes, tout ça là, il besoin cram-cram. Il besoin cram-cram pour manger. Ça pour la santé, il est bien bon. Il n'y a pas besoin de trop cuire. Cuire mauve. Là, nous mettons du sel. Voilà. Nous n'avons pas pour sauter. Et quand vous trappez comme ça, vous pesez, vous trouvez une cuire. Vous traversez en bas les dents, pas tracasser. Un petit guin cram-cram. Et là, vous comprenez ce goût. Et tout. Nous laissons 2 minutes encore. Après, nous venons guetter. Quand il arrive. Mais mon bien cher, il faut finir pareil. Voilà, il finit pareil. Bien cher, je trappe, je pèse comme ça. Je peux trouver qu'il vient un peu mou, cram-cram, il est bon. Et puis, nous pas tarder, nous mettons nos tevcon là-dedans. Right? Nos tevcon, nous tournons un petit peu. Il paraît indifférent. Peine à vous tarder, peine à vous faire ça, vite, nek sot sa ban legim la. Et bien sûr, vous avez fait lier à vous brocoli aussi là-dedans, souffler aussi là-dedans, limor c'est même ça. Même pâtisson aussi, vous avez pas mettre là-dedans. Et moi, je conseille vous, faire sa ban kalte manger là, allemand sa kalte manger là, et en compagnie avec ban chapati sec, hein, chapati, li bien bon, et ça pour vous la santé. Et voilà, nous présentons dans nos plats. Et voilà, ça nous haricots, nos légumes sautés avec tevcon. Et bien cher, ça haricots, il est bien bénéfice. Il représente comme un insuline, il est bon, surtout pour les diabétiques. Et carottes, carotène, il est bien bon, sa couleur, il est bien bon. Et poivron rouge, tout ça, il est bien bon. Tout les affaires qui couleur, il est bien bon pour nous la santé. Et surtout, les technicolos, il peut attirer l'attention aux enfants, tout. Et al se faire li, al gout li, et nous garde nous la santé, top. Pour nous réaliser nos recettes sautées de tevcon aux légumes, nous avons besoin d'un ingrédient suivant. 2 cubes de tevcon, 3 tasses haricots émincés, 1 tasse carotte en baguette, 1 poivron rouge en baguette, 2 cuillerées à bouche d'huile, 1 cuillerée à café de petit anis, 1 cuillerée à café de gingembre haché, demi-cuillerée à café de hing, demi-cuillerée à café de poivre en poudre, 1 cuillerée à café de thym, 1 cuillerée à café de safran en poudre et salé selon votre goût. Pour réaliser nos recettes sautées de légumes au tevcon, d'abord on coupe au tevcon en baguette, frit au tevcon dans de l'huile tiède et qu'on réserve-les. Coupe ou haricots en longueur, 2 à 3 pouces. Coupe également ou carottes de la même façon. Finalement, coupe ou poivron rouge en bâtonnets. Ou roussi ou petit lani, du thym, gingembre haché, un petit peu de hing dans la même caraille. Ensuite, ou saute ou carottes et ou haricots, ou poivré légèrement. Après 3-4 minutes de cuisson, incorpore poivron rouge ou arrose ou la poudre safran. Un petit peu de l'eau si nécessaire pour faciliter la cuisson. Un peu plus tard, ou capable de salir selon goût,
et laisse-les bien cuire pendant environ 2 minutes additionnelles. Juste avant la fin de la cuisson, ou un compote ou thé au cône frit, au mélange et tournez délicatement. Après nous sauter les légumes avec thé au cône infini, là moi je vais faire une ressortie, surtout pour toute la population. Aujourd'hui, moi, il y a un grand secret pour faire découvrir. Et ça, Bandjiboun est capable de vivre tout ça. Nous avons un fruit qui nous appelle ça roselle. Bien sûr, il n'est pas encore trop populaire dans Maurice. Bien sûr, il y a la plupart, il y en a qui connaît, il y en a qui ne connaît aussi. Roselle, là, nous avons fait une confiture, nous avons fait ce jus, nous avons fait ce assort. Avec plusieurs affaires encore, nous sommes capables de faire avec ça. Mais aujourd'hui, je peux faire une confiture, je peux montrer comment faire une confiture là. Et je suis capable de mettre ça l'eau morcée aussi. Et je suis capable, on dirait, artisanat, ben, personne, je suis bien, je suis capable d'apprendre ça. Et bien sûr, un jour, je vivre avec ça. Et ça, Roselle, est bien, bien bon. Et tout à l'heure, je peux expliquer ce ben bénéfice qui est là-dedans. Là, pour commencer, nous gagnons sur Roselle, nous finissons l'avli. Right? Quand vous faites une confiture, ça, c'est à faire noir noir là. L'imbéguer nous tient là parce que dans confiture, quand on cuit là, ça noir noir là, il paraît, il pas paraît trop attirant. Capable mettre là, il pas un problème là, mais seulement il pas trop attirant. Il faut faire petite tasse tasse noir noir en dans là. Mais là, nous couplons comme ça. Regarde bien comment on fait couplir. Couplir comme ça. Nous poussons nous les doigts là-dedans. Right? Il est facile, il sort. C'est la graine là, il sort. Vous trouvez? Là, là, il reste vide comme ça. Après, nous mettons dans nos récipients. C'est facile pour faire. Hein? Je vous explique encore. Regardez comment il était. Ça va tirer les ailes qui sont dans l'île là. Nous tirons les ailes. Comment tu piquant là. Mais c'est pas mal. Li. Mais pour faire sa confiture là, vient plus isoler. Nous enlevons. Là, nous tirons la graine là. La graine là, comment tirer? Nous fonçons nous les doigts là-dedans. Et nous tirons la graine vert en dedans là-dedans. Là, nous avons besoin de ça là-haut. Là, ça la peau là, on dirait. C'est même qui est joli là. Et ça, une jolie confiture, ça, bien rouge, bien. Et ça, je peux porter ça avec d'autres. Je suis content qu'un jour, ben, arrêt, je vais mettre ça l'eau morcée. Encourage ben, du monde pour planter ça, faire ça l'eau morcée, parce que ça, il est bien bénéfice. Fais attention, hein, il est antioxydant. Hein. Quand il nous a fait il est antioxydant, ça veut dire nous bien éloigner avec le cancer. Il y a combien de cancers du monde, la population peut gagner cancer, mais ça n'a pas de défendre nous contre cancer. Bien facile. Là, nous mettons de l'eau là-dedans. Nous mettons de l'eau. Nous allons faire, laisse-le bouillir. Bien facile. Prends Roselle, finis nettoyer tout. Comment on nettoyer, laver tout. Mettez-le dans de l'eau, laisse-le bouillir. Right? Et après, nous pouvons mettre ce disque. Là, nous laisse-le bouillir. Continue bouillir, il y a les mêmes, il besoin bien bouillir parce qu'il y a une confiture ça. Et autres même de vous guetter sa confiture là, comment les se couler, se couder, comment les venir. Et bien sûr moi là moi dans mon pot, ban qui pour faire ban petit commerce avec ça, on veut faire un petit business, dit most welcome, je car là je pot bouillanté et trappe je pot avec ban pincette bien hygiénique. Là je car rempli lit dans notre pot. Après moi pour montrer je la restant. On va qu'à dire je tout à ce là suivre. Voilà depuis nous mettre les bouillir. Là, je peux guetter. Guette comment l'IP bouille. Bien cher, de l'eau peut venir rouge. Et là, l'IP commence à couiller pour craser. Mais on laisse l'écraser. L'IP bouille, l'IP craser, laisse l'IP bouille. T'as l'air nous mettre sur 10 sites. Ça veut dire que je finis de comprendre comment il était. Bien facile ça. Bien facile. N'est que mettre de l'eau, n'est que mettre sa roselle là, laisse l'IP bouille. Derrière nous mettre sur 10 sites. Voilà, là, vous trouvez quand il bouille. Quand il bouille, vous trouvez tout un fruit là. Nous finis fond là-dedans, right? Là les niveaux de quid, à ce terre qui nous fait, nous prend 10 sec, nous ajoute là-dedans. Bien sûr, confiture li avec 10 sec même, right? Nous tournons, right? Là nous continuons tourner 10 sec fond. Depuis les pour gagner une quantité, puissant ce salaire, ce les pour cuire, les pour cailler un peu. Quand les cailler, là nous pourquoi il pour finir pareil là. Et c'est ça, nous continuons tourner depuis les pareil. Il s'est là bien cuit avec ça, du boucanier. Ça a un bon lazelet, bon confiture. Là nous mettons du sucre, nous continuons tourner. Toujours nous tourner, nous continuons. Laissez réduire un petit gain.
Là, nous pouvons trouver, nous pouvons cailler un petit peu, nous pouvons se confiture. Là, nous pouvons bien parer. Voilà, là, nous pouvons tourner. Je peux tourner liquide, liquide, recimper liquide. Je n'ai pas besoin de tracas quand il est liquide. Comment je peux tester? Je prends ça, disons ça, cuillère là. Je prends ça, je l'oglis là-dedans. Un peu là-dedans. Right? Laisse-le gagner un peu l'air. Right? Il gagne l'air. Là, je prends tous les doigts, je peux même vous trouver get ça. Il finit cahier. Voilà, nous avons nous fait ici, il finit pareil. Mais je peux tout lire liquide, liquide. Pas tant ni trop dur pour dire qu'il paraît, non. Si vous pouvez trop dur, il faut trop cailler. Comme ça, les autres tiers confitiers, les autres passent l'eau du pain. Du pain pour casser. Oh, confitiers. Confitiers, il besoin de dire des affaires qui obéir. Correct. Là, nous attendons un petit peu frais. Je peux bouillir de l'eau là. Je peux montrer autres comment nous besoin remplir dans le pot. Nous attendons un petit guin, vin frais un petit guin. Ok. Regarde ça, nous laissons frais un petit peu. Là où vous trouvez pour cailler. Right? Pour nous facile mettre dans le pot. Pas laisser trop cailler net. Là, comment nous pouvons mettre dans le pot? Je remplis bien légèrement. Mais si je tenais un entonnoir, il est meilleur. Voilà, nous remplissons la quantité. Right. Nous avons l'autre petit encore là. Un autre petit pot. Bien sûr, nous avons un pot, nous finissons bouillante. Trappe-les avec pince. Ou les doigts, pas besoin de rentrer du tout dans la peau là. Voilà, là. Là, nous prenons le lit. Nous fermons le lit. Right. Nous mettons un peu de l'eau bouillie. Laissez dans de l'eau là bouillir pendant une 4 à 5 minutes. Et voilà, nous arrivons nos 4-5 minutes. Là, nous tirons bien légèrement. Nous t'indiquons, nous tirons bien légèrement. Là, à cette heure, nous sommes capables de trapper. Comme ça, souiller, plastiquer, avoir exporté. Facile, terrible. Souiller bien. C'est sa confiture. Voilà, sa confiture est bien bon, car pour un petit déjeuner, tout est capable de prendre. Et nous espérons qu'il va dire, bon Mauricien, tout ça, tout. Nous essayons de mettre l'emphase là, ça. Il est bien, il y a un fruit, il est bien bon. Comme ça, nous développons nos pays touristiques. Avoir il est dans mon artisanat. Pour confiture de roselle, nous avons besoin de 20 roselles, 2 tasses d'eau, 1,5 tasse de sucre. D'abord, nous nettoyons les roselles et enlèvent le pépin. Bouillons les roselles avec un peu d'eau. Après que les roselles commencent à fondre, c'est-à-dire à ramollir un petit peu, on ajoute un peu de sucre et on continue tourne le mélange. Après 20-25 minutes, confiture in pré. On laisse refroidir pendant environ 10 à 15 minutes avant qu'on mette l'eau en pot. Bouillir le contenu du pot dans l'eau bouillante pendant 4 à 5 minutes. Et voilà, après que nos confitures roselles sont finies, je vais bien étudier les comment ils font, je vais tout à faire pour la case, pour même comment un petit commerce aussi, comment on a dit. Mais nous recontinuons les affaires avec sa même fruit, appelle ça roselle. Bien cher roselle, je vais montrer comment nettoyer les. Là, nous pouvons faire un jus, une infusion. Et plus nous avons servi comme un jus. Je vais vous montrer tout comment nous avons boire pour un jus de plaisir. Le plaisir pour nous la santé aussi. Et nous nettoyons les pareil, couplis. Pareil comment nous couplis, tiens sur la grain. Right? Mais pour jus, nous pas nécessaire de tirer ça
ti wa di zepeng zepeng la hein ba ni ping la li nou pa nesesè ti sa li roule avec so so zepeng tout ça na la right nou ti ali nou met nou de l'eau bouillie nou met li dans de l'eau bouillie right bien cher nous na rosel même là dedans nous na la vanille optionnel si je te le mettre un peu la vanille ça aussi li bon même plus nous na un l'autre affaire nous ajoute là dedans appelle ça citronnelle. Nous coupons un bâton citronnelle, right? Nous toujours nous tourne ce bâton citronnelle là. Get qui fait un tourne li, li augmente ce parfum, ce saveur un peu plus, right? Soit il y en a qui compte pile li, mais tourne li correct. L'un tourne li comme ça, get ça parfum l'un vient dans mon lame, spécial citronnelle, right? Nous laisse li infusion, mais là nous peut faire des affaires au li. Moi peux faire li comme une infusion, nous ca boire li, même cette infusion là nous ca prendre li comme un petit déjeuner aussi avec nous du pain, avec nous ban confiture aux elles-mêmes. Et plus nous peux faire li un jus aussi, nous faire li glacé, boire li glacé. Là nous fini mettre li bouillie, nous allons faire les li bouillie, nous ajoute du sucre là-dedans. Et du sucre ça li dépend de votre quantité, comment vous êtes content. Right, nous tourner un chigin. Laisse les bouillir. Le fait que vous avez fini l'orgue sur couleur, laisse les bouillir. Nous couvrons un chigin. La citronnelle là capable d'une bonne affaire là-dedans. Roselle, elle est bien riche en vitamine C. Et plus il y en a vitamine BN, BD, B3, B4 et plus B6 aussi. Et les antioxydants. Mais je suis bien content si une population capable d'utiliser sa fruit là. Parce que qu'il fait, elle est bien bon pour la santé. Bien facile, nek bouilli met li dans une bouteille, garde dans frigidaire. Quand j'ai une soif, je bois li, il pour garder j'ai cool et li pour garder en bonne santé. Et bien cher, éloigner contre cancer. Et nous laisse li infuser. Infuser là faut c'est un 10 minutes comme ça. Là nous met li, après une 10 minutes, nous vinn guetter quand il arrivé. Nous allons check un coup quand il arrivé. Right. Bien cher, comment l'in commence à misoter, de l'eau commence à misoter, une infusion ou t'en diffé. Right? Ou t'en diffé ou ka couvert li aussi. Là, la cause m'a besoin présente. J'autre li, m'a pe ouvert li. Et bien cher, nous citronnelle là dans l'in bouillie. Et parfum est spécial. À ce temps, si nous voulons ajouter un peu la vanille là-dedans, capable d'ajouter, y'a optionnel. Si je parle mettre la vanille, pas fait non. Right? Là, l'in paré. Là, nous allons servir l'isso. Ça veut dire nous servir l'infusion. Nous présentons les dans nos tasses. Moi, je finis de mettre du sucre tout dans de l'eau là. Et les autres, si je te laisse servir, je vais mettre du sucre à part, pas de problème. Voilà, ça nous paraît. À ce moment-là, nous servir les glacés. Nous sommes capables d'attendre de refroidir un petit peu. Après, nous mettons les dans nos verres. Mais nous sommes capables de mettre glaçons dans nos verres. Right, pas de problème. Je suis accompagné de patience pour attendre. Je vais les glacer. Mais ici, les bouillantes, nous, comment nous pouvons faire? Mettre glaçons dans le verre. Nous servir. Bien glacé. Qui calte bataille au lit? Glacé sous tanda gram qui calte. Tout nous est là. Voilà un petit pipe là-dedans, monsieur. Un joli tissu glacé. Et vous pouvez faire une réception tout avec ça. Et une réception pour protéger la santé aussi. Jus de roselle. Vous avez besoin d'un ingrédient suivant: 10 roselles, une branche de citronnelle, un litre d'eau, sucré selon votre goût. Ou capable d'ajouter quelques gouttes de vanille, mais lui optionnel. Et voilà, nous arrivons à la fin de nos émissions. Et aujourd'hui, avec nous, l'équipe Mangeons Vert, nous avons un grand plaisir aujourd'hui nous présenter un sauté légumes avec Théocon. Et puis, nous faire une confiture avec un fruit qui s'appelle roselle. Nous faire une infusion. Et plus, nous faire un jus. Ça, infusion l'âme, nous servir de façon glacée. Et ça aussi. Et mon espéré qu'ils ont une étudiée, ils ont une appréciée, li, et bien cher, ils ont qu'à mettre en pratique. Nous pouvons venir avec de nouvelles recettes très bientôt. Et moi, je vous dis Hare Krishna et au revoir.